monde, c'est Apollon, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on va faire la découverte du nouveau Pass de combat saison 2 chapitre 4. Je suis actuellement en live quand je vais découvrir le Pass de combat. Du coup, quand vous voyez la vidéo, je pense que j'y serai encore. Du coup, n'hésitez pas à venir nombreux et on va l'acheter ensemble. Voilà, on est pigeons, nous. Nous, on pense à 2800 V-Bucks. Du coup, on va voir un peu déjà ce que j'ai débloqué avec ça. Du coup, on a débloqué Renzo, le ravageur, ok. Et 5 étoiles. Logiquement, j'en débloquais plus, voilà. Mais 125 autres étoiles. Je suis déjà niveau 26. Du coup, au pire, on va acheter déjà tout ce que je peux. J'ai 130 étoiles. Il faut 107. Bon, ok, je pourrais pas tout acheter non plus, mais on va déjà obtenir toute cette page-là. Du coup, on va voir un peu déjà toutes les récompenses que j'ai. Du coup, on a un écran de chargement. Ok, Renzo le Ravageur. Au fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs clones. Bon, des V-Bucks qu'on connaît, bannière pas trop intéressante. Oh, stylée la pioche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est plutôt stylée. Ok. On a une nouvelle emote. City of Swing. Ok. Au fait, on est en prison, quoi. Ouais, c'est ça. Super. Nouveau camouflage, ok, émoticône. On va vraiment rester sur les trucs les plus intéressants. Le sac à dos, j'aime bien le sac à dos. Je sais qu'il a une autre variante, voilà, qui arrive après. Plutôt sympa. C'est un planeur, ok. Voilà, j'aime pas trop mon V-Buck. Par contre, j'aime bien ce planeur-là. Bon, c'est un cube un peu gros, je pense pas que je le jouerais trop. Mais sympa. Là, c'est son autre variante, ok, qui est plutôt cool. On a un écran de chargement. Oh, oh stylé, j'aime bien, plutôt sympa. Bannière, on s'en fiche. Oh, ça, c'est les pioches. D'accord. Sans V-Buck. Le planeur, du coup. Je crois qu'il fait un peu de musique. Le camo et le skin, elle, qui est juste stylé. En plus, c'est en mode un peu animé. C'est plutôt top. Du coup, pour la suite du pass de combat. Alors, attendez. Je peux. Là, il faut 36. Bon, ok. Je vais les prendre un par un. Du coup, on va voir ça après. L'écran de chargement qui est plutôt beau. Ok. Le tag. La danse. Oh, j'aime vraiment bien la danse. Ok, le sac à dos. Là, la 20 du skin, ok, qui est plutôt sympa. Ensuite, ok, écran de chargement. La pioche, ouais. Oh, ça, c'est la moto, ok. Sympa. Le skin. Ouais, franchement, je suis pas fan. Il est sympa, il y a toujours un skin troll comme ça. Mais c'est pas celui que je préfère. Ok, ça danse avec les couteaux. Je pense que c'est la même, ouais, que dans la bande-annonce. Ok, ouais. Le camo, bon, la musique, on va pas entendre. Et par contre, oh, il est sympa ce style-là. Et ce que, au fait, ce qui est sympa, c'est ce qui fait réaliste. Et des fois, ça, on l'a pas trop. Ok, ouais, un peu comme les autres trucs Galaxy, au fait, on peut voir à travers. Le sac à dos. Oh, le planeur, oh, c'est sympa. Et le skin, ouais, je suis pas fan de celui-là. C'est vraiment pas fan. Ensuite, ok. Ouais. Je crois qu'on a déjà eu un style comme ça, un peu pareil. Oh, le camouflage, vraiment stylé. Lui, par contre, il est vraiment beau. Ouais, la variante. Ouais, quand même, je suis quand même pas fan, malgré tout, de ce skin-là. Ok, la variante nomade. C'est dommage. Oh, il va bien avec mon skin. Ce que je trouve dommage avec le skin nomade, c'est qu'ils l'ont un peu remake dans un pass de combat. C'est un peu dommage. Mais voilà, quoi. Là, c'est sans son casque et on verra avec le casque plus tard, du coup. Ok, la danse. Ok, ouais, plutôt assez simple. On a ses pioches et là, son autre style. Par contre, comme ça, tu vois que c'est vraiment nomade comme ça. C'est les couleurs de nomade. Ensuite, en plus, j'ai même pas regardé les noms, c'est dingue. On a Plamagriff, ok, avec le skin Matasing, ok. Plutôt sympa, j'aime vraiment bien. Au fait, le pass de combat, au début j'avais peur et ça va. Dans l'ensemble, je l'aime bien. Il y en a quand même certains que j'aime pas. Ouais, pas fan du planeur. Et la version loup, comme ça, tu le ça va. Et là, on arrive sur mon skin, vraiment coup de cœur. C'est vraiment ça que je préfère. Et il peut peut-être détrôner Johnny que j'ai. Ok, ouais, les pioches, ça reste simple, mais elle est stylée. Et encore, elle est encore mieux avec ses autres variantes.
Son pla ça c'est son planeur. Oh ouais, joli le planeur, joli. Je me suis pas trop fait spoil les planeurs, mais c'est joli, ok. Et le skin là, ouais, comme ça, elle est juste magnifique. Elle est trop belle. Dites-moi, quel skin vous préférez? Pour ma part, c'est Mizuki. Elle est trop belle. On va vous montrer en même temps les récompenses bonus, ok. On va aller assez vite. N'hésitez pas à mettre sur pause à la gare si vous voulez voir. Bon, dommage que l'écran de chargement, ils le mettent là. Elle est un peu mieux comme ça, mais c'est pas toujours cela que je kiffe. Ok. Oh, la danse qui va avec Mizuki. Ok. Les variantes pour. Pour les pioches. Ouais. Oh là, on va. Voilà. Ma variante préférée du skin. Ok, la pioche. Et ouais, elle est juste magnifique comme ça en feu. Et là, je pense pas ouais, qu'on les a tout de suite. Ensuite, là, c'est les récompenses. Ouais, en fait, t'as deux pages de. En fait, on a deux pages de récompenses comme ça. Ah, c'est encore autre chose là. Eux, on peut déjà les débloquer. Ok. Avec, ouais. Ouais. Sympa. Je vous montre vraiment les trucs les plus intéressants. C'est dans ces variantes de skin. Ok, ouais. Là, c'est. Ok, le skin nomade. Ouais, bon. Assez basique. Et là. C'est quoi la danse de tambour là? Ok. Et le skin lapin. Et là, le skin du coup, ce qui va avec Eren. Ok, pour l'instant, il n'aura qu'une page Eren. Peut-être que la deuxième page arrivera tout plus tard. Ok. La danse. Non, mais non, non, mais non. Ça, c'est un peu le titan, du coup, la main de titan. Eren comme ça, ok. Ouais, le camouflage, ouais, la bannière. Et le skin Eren, je trouve qu'il rend bien, ça va. Ok, bah du coup, oh, en plus, style au choix, peut-être qu'il aura un autre style. Du coup, n'hésitez pas à dire quel skin vous préférez, combien, bah, quelle note vous mettrez au pass de combat. Pour ma part, je lui mettrai, allez, un petit, je pense un petit 8 quand même. Du coup, je vous dis à tout de suite pour ceux qui viendraient me retrouver directement en live. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Le lien est en description. Également, n'hésitez pas à mettre le code créateur KTT dans boutique Fortnite si vous comptez acheter ce pass de combat. C'était Apollon. À plus tout le monde.